insulté mon pote, hein. Ah, c'est noir à ce qu'il paraît. Ouais, insulté mon pote. Tais-toi un petit peu. J'ai dit, c'est qui a insulté mon pote? Il a intérêt à avouer ses fautes. Notre pote. C'est lui là, c'est lui là. Insulté du coup, ah, c'est toi. Bon, les mains, tu vas les deux. Mec, on est un gang, hein. Donc tu vas profiter, tu vas te mettre contre le mur et on va procéder à ton exécution. Bon les gars, qui est-ce qui l'a insulté? Ah non, tu t'insultes des gens. C'est lui, lui il m'a insulté. Il a même, pas insulté quoi que ce soit parce que il est en train de se plaindre d'une propriétaire qui ça lui appartient même pas, la pelouse là, ici. Et il est obligé de traiter de con. Procède à l'exécution. Nous on rigole pas, hein. Vas-y, c'est toi qui t'as été insulté. Nous allons tous crier. Non, il a dit que tu l'avais insulté et il a le droit de procéder à l'exécution, sachant que nous sommes des hommes armés et que nous sommes un gang puissant. Voyez. Donc. Ils font peur, hein, quand même. Allez. Ah, il y a la pote aussi qui veut se joindre. Ah non, il insulte de con, mon pote. C'est pas du free kill. Je n'aime pas ce que c'est du free kill d'ailleurs. En anglais, ça veut dire. Non, c'est. Ça veut dire. Ceux qui veulent le tuer, tu le perds. Ouais, déjeuner américain au soleil, ça. Bon, et c'est qui le tue, parce que si je ne vous pas, moi, je le tue, hein. Vas-y. Oh Théo, tu passes à l'exécution ou pas? Arrête de te tuer. Mais c'est pas moi qui vais tuer. Moi, je ne peux pas le tuer. Mais si, c'est toi qui a été insulté. Ok, allez, continue. C'est toi qui l'a insulté. C'est toi qui a été insulté, donc c'est toi qui procède à l'exécution. Trichotte. Ah ouais, tu vas te défier contre le mur, allez. Quoi, je t'ai même pas insulté de pige. Ok, il y aura deux chutes. Moi, je suis pas de bonne, Aurélie. Insulté mon pote aussi.